بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في الخير الذي أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. إذن إخوتي أخواتي أبائي الكرام، طبتم وطاب المقام، ولكم علينا حق التحية، وتحيتنا تحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بما أن هذا أول لقاء، وهذا ربما أول زيارة لهذا المسجد، c'est la première fois que je visite cette mosquée. Il est important de se présenter. Le fait de se présenter en islam, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a, une fois dans une bataille, puis Ahad al-Ma'arik, Ma'arakat Uhud, soumi'a anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qutil. On a entendu, bataille de Uhud, on a entendu que le prophète est mort. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الرسول لا كذب أنا ابن عبد المطلب. Il s'est présenté le prophète. قال أنا الرسول لا كذب. Moi je suis le prophète. Il a dit. Je suis le fils de عبد المطلب. Donc l'imam الإمام الحجوي الفاسي أحد علماء المالكية مالكية المغرب في كتابه عنده كتاب كبير جميل الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه دي لبروفيت un grand imam malikite du Maghreb الحجوي il dit que là le prophète صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de cette présentation il dit le prophète صلى الله عليه وسلم s'est présenté. Il a dit, voilà, je suis le prophète, je suis le fils de Abd al-Muttalib. فالتعريف بالنفس واجب, surtout aujourd'hui, et surtout en France. Aujourd'hui en général, et en France en particulier, il est très important de se présenter, de connaître, même pour vous, c'est bien de connaître à qui on a affaire. Je connais de l'arrière-dar, je connais la raïfti. Je connais Adam Ouim Jidden, très important ça. Je suis Omar Durman, je suis professeur à la faculté des sciences islamiques à Paris, dans le 20e arrondissement. J'enseigne plusieurs matières, notamment le droit musulman, le fiqh, notamment les ulum, le hadith, les sciences du hadith, plusieurs matières. Je suis membre de l'association des ulama algériens, Jumhiyat ulama al-Muslimin, al-Jazair, Radoufiha. Je suis membre également de l'association mondiale des savants, Tihad al-Alami, l'Union mondiale des savants musulmans, Tihad al-Alami, les ulama al-Muslimin. Membre également de l'association des recherches des finalités, Markaz Drasat al-Maqasidiya, Biwaran, à Oran, en Algérie, d'où je suis d'origine. Je suis imam à la mosquée de Brunois, 91. J'ai une chaîne YouTube, si vous voulez, Inch'Allah, après. je forme les imams, plusieurs imams, avant que la formation des imams devienne une mode. Là, on l'a commencé il y a très longtemps, bénévolement, en forme des imams. Je suis également président de France Fatwa. Peut-être qu'Inch'Allah, plus tard, on aura l'occasion de parler de ceux qui donnent la fatwa en France. Je fais ça pourquoi ? Je ne le fais pas partout. Je fais ça parce que l'association m'a demandé d'être présent avec vous une fois tous les mois. C'est-à-dire que le premier samedi du mois, on va avoir un rendez-vous. On va parler
aujourd'hui peut-être et l'autre prochain, raconte bien des francophones. Hein? Hujjaj. Français, mais faux. C'est bon. Ou l'un de mon arabia ou français. المهم بون حنا نتكلموا اللغتين اللغه العربيه واللغه الفرنسيه باش حنا ليسونسيال كو تو الموند كومبخين هذا المفيد عندنا كل اسكو فو فوايي لا سي زوم هذا سي ان زوم سي تادير ان كونيكسيون سي تادير ميم كو دي فوا فوزيت نابورتو دون لو موند فو بوفي فو كونيكتي فو ريسيفي لو كود اي فو رونتري. C'est une application qu'on fait. Alhamdoulilah, on a des élèves, on a un peu partout aujourd'hui qui sont avec nous. On sait bien aujourd'hui, c'est un avantage. Facebook également, c'est un avantage. Kul hada al-umur ijabiya. Bima'na anna Allah subhanahu wa ta'ala a'tana hada al-mawad, hada al-umur li hiya ijabiya, wa yuhasibuna 'alayha yawm al-qiyamah. Allah yuhasibna يوم القيامة على الزوم على الفيسبوك على يوتيوب على لأن العلم هذا الآن العلم هو يأتي إلى الناس قديما الناس يأتون إلى العلم الناس قديما هم يأتون إلى العلم اليوم الحمد لله اليوم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن العلم يأتي إلى الناس قديما مثلا لما كتب ابن حجر العسقلاني هذا أحد علماء الشافعية كبير وشرح البخاري سمى الكتاب فتح الباري هذا من أعظم الشروح للبخاري كثير هي شراح البخاري كثير أول من شرح البخاري الأول الداودي الجزائري مدفون في تلمسان صحاب تلمسان سيدي داود هذا أول من شرح البخاري طبع الآن مؤخرا طبع الكتاب فبعدين شروحات كثيرة موجودة البخاري هذا ابن حجر سمى الكتاب فتح الباري أعظم شرح لما وصل الكتاب إلى الإمام الشوكاني إمام الشوكاني هذا في المتأخر شوية القرن الثامن عشر 18 سيكل الشوكاني او ميم طون كو محمد بن عبد الوهاب بريسك او ميم طون كو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا هذا كونت يغوسوا لو ليف لما وصله الكتاب فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح لا هجرة رسول الله شقال رسول الله لما فتحت مكة كي مكة ولات مسلمة شقال رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح ça c'est un hadith du prophète le prophète a dit quand la Mecque est devenue musulmane le prophète a dit la hijra ta on fait pas l'immigration tant que la Mecque khlas est devenue musulmane c'est annulé la hijra c'est khlas c'est annulé Mais le prophète a utilisé ce vocabulaire en disant « La hijrata ba'd al-fath, fath Mekka ». Shawkani قال « La hijrata »« Za'ma la hijrata li talab al-ilm ba'd al-fath, ba'd al-fath al-bari » Faux ?« La hijrata » لأن الكتاب مملوء علم. الحمد لله اليوم العلوم موجودة les moyens aujourd'hui On a, alhamdoulilah, beaucoup de moyens. Seulement, il faut faire attention aujourd'hui. Parce que tout le monde peut parler, tout le monde peut faire un live, tout le monde peut... C'est la enfin, il faut faire très attention parce que c'est une charge très importante. Donc, le Mouhim, donc, Inch'Allah, on va avoir un rendez-vous chaque premier samedi du mois. Chaque premier samedi du mois, on va avoir un rendez-vous. Il est possible de me proposer des sujets. D'accord ? Maintenant, je vis en France, donc je sais ce qui tourne. Donc, je vais faire en sorte de traiter des sujets
qui touche la société musulmane en France. Mais s'il y a des propositions, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je suis preneur, comme on dit. Le mawdou, c'est la famille, l'osra. Hnaya, on vit en France, et c'est tant mieux, on l'est. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où le marché des idées, il y a un marché de fruits et légumes, marché des voitures, il y a également un marché tel afkar. Souk al-Afkar. Il y a un marché des idées. C'est-à-dire que nous, les musulmans, nos enfants, ils sont également, ils peuvent être touchés par ces idées. Yumkin. Aujourd'hui également, on est content de voir une personne venir se convertir à l'islam. C'est bien, le farhou. Parce qu'on est là, on est présent, donc on peut également influencer des personnes. Mais nos enfants également, ils peuvent être influencés. Yumkin. Nous-mêmes également, on peut être influencés. Hna mouch malaïka. Hna bachar. Mettel jamia el bachar. Mettel sahaba, mettel sahabiyat. Tout le monde, il peut être influencé. C'est-à-dire que, je veux dire par là que dans un marché d'idées, il est de temps en temps, voire même tout le temps, important de comparer les idées. Diru shibel, chouf, l'afkar ta'na, ma'a afkar l'ghayr diniya. Donc il y a des idées religieuses, et dans les idées religieuses, on peut nous partager avec les chrétiens, on peut partager avec les juifs, on peut partager des idées parce qu'on est religieux. Ahlouddin, Sahabuddin, ils peuvent partager, ceux qui sont religieux, ils peuvent partager des idées. Donc, de temps en temps, on peut comparer, plutôt comparer des idées religieuses en général, et en particulier l'islam, notre religion, avec d'autres idées qui sont sur le marché des idées. إذن قلنا كاين أفكار سوق أنت لما تدخل للسوق كون بو رونتري دون أن مارشي دو فواتور وتلقى غير بيجو 204 تقول سي سي با يا با دو يا با دو سي با أن مارشي كاين وحدة لوطو وحدة مي كون يا بلوزيير سي أن مارشي سي ميو أون أ لا بوسيبيليتي دو كومباري دونك سي إلي أمبورتون جو بونس pour les imams, pour les conférenciers, pour de temps en temps comparer les idées pour que nos enfants soient sûrs de leur identité islamique. Sur la question de la famille, l'osra, la question de la famille. La famille, est-ce que la famille d'avoir le mari, d'avoir une femme, la famille, la petite cellule a dit de la famille. L'osra a dit Moussagara, osra. Hel hiya tabi'iya, am hiya tarikhiya. Je m'explique. La famille, le couple, le mariage, est-ce qu'il y a deux visions? Est-ce que la famille est une question naturelle ou une question historique? Ça veut dire quoi naturel et ça veut dire quoi historique? Ça veut dire naturel veut dire est-ce que c'est dans les gènes de l'humain, de la femme et de l'homme, l'khilqa, dans la gène de l'humain, il y a ce penchant vers l'autre. Bimana, hel hadha rajul bittabi'a yamilu ila al-mar'a wa hel al-mar'a
بالطبيعه تميل الى الرجل. Ça veut dire que il y a deux visions, il n'y en a pas trois. Est-ce que le mariage, le couple, la famille est naturel? C'est-à-dire, est-ce que l'homme, moi, l'homme, c'est naturellement, je suis, j'ai des penchants vers la femme, et la femme, c'est par la nature, a des penchants vers l'homme, ou c'est une question historique? C'est-à-dire quoi, historique? Ça veut dire qu'on a, on a vu l'histoire. هل هي مسألة طبيعية أم تاريخية؟ باش نفهموا اليوم شرح صاري. Pour comprendre aujourd'hui, c'est quoi le mariage pour tous, c'est quoi le mariage, c'est pour comprendre ça. C'est des visions, c'est des... Sachez que, la personne humaine, insane, ne peut pas agir sans les idées. إنسان حينما يفعل شيء أي شيء يفعله أي شيء العمل هذا العمل إنساني هذا العمل مسبوق بأفكار الفكرة هي تولد العمل est-ce que vous êtes d'accord ou pas c'est les idées qui poussent la personne à réagir et agir d'accord on est là aujourd'hui c'est parce que on a une idée sur, ou sur la conférence, ou sur le conférencier, on a une idée. Ou il fait froid dehors, on est là à la mosquée, au classe. Il y a une idée qui fait qu'on est là. On n'est pas là, après on réfléchit. Non, on est là parce qu'une idée nous a poussé. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté 13 ans à la Mecque pour... Le dogme, l'aqida, parce que c'est à partir de ce dogme qu'on réagit. L'aqida, il y a tfa'al l'insan. Eden, est-ce que le mariage est une question naturelle? Naturelle, c'est-à-dire c'est dans les gènes. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, les religieux, musulmans, chrétiens, juifs, pour nous, les religieux, c'est une question naturelle. On se marie parce que on a un penchant vers l'autre. La question naturelle veut dire quoi? Est-ce que le naturel, Adam, il est naturel comme le naturel des animaux? Ou est-ce que c'est naturel, mais avec une volonté humaine? Les animaux, par exemple, le mariage des animaux, hein, femelle, masculin, femelle, c'est naturel. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, les abeilles, par exemple, féminin, masculin, ils n'ont pas le choix. Mais c'est naturel. Mais pour nous, c'est naturel avec le choix. On choisit. Parce qu'on peut, on a trouvé des personnes... même des savants musulmans qui ne se sont jamais mariés. Mais naturellement, on est poussé vers ce penchant. On penche, l'homme penche vers la femme penche vers l'homme. C'est naturellement. Mais ce naturel est choisi par l'humain. Quand il veut choisir, l'humain, il est prédisposé. Fait wahd al-qabiliya. Qu'on appelle fitra. Allah fatarana. C'est-à-dire, on est prédisposé hein, à pencher vers la femme et la femme vers l'homme. Mais avec cette prédisposition, il y a cette volonté. Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est clair? Donc, il n'y a pas une obligation. Comme l'obligation naturelle des animaux. L'animal n'a pas le choix. Masculin prend féminin, c'est le mariage pour tous. Parce qu'ils sont obligés de choisir, le mâle choisit la femelle choisit le mâle, obligé. Hna, obligé par quoi? Par la nature, par le fitra, par Allah. D'accord? Hna également, on est
c'est le mariage pour les religieux, il est naturel, naturel, mais avec une volonté humaine. Quand j'ai cette volonté, quand je veux le faire, je me penche naturellement vers la femme. L'autre vision dit que le mariage est un fait historique. L'histoire a obligé l'homme, le masculin, de se marier avec la femme. La femme, dans l'histoire, a été à un certain moment obligée de se marier avec un homme, un masculin. C'est-à-dire qu'il y a la question, si elle est historique, on peut changer l'histoire. D'accord ? Pourquoi ? C'est l'histoire. Et on a continué comme ça. C'est passé dans un certain moment, c'est passé comme ça. La force de la société, ou la force des besoins, ou la force a fait que le masculin se marie avec le féminin. C'est l'histoire. Donc l'histoire, aujourd'hui, ils disent, on peut la changer. Ça s'appelle également Jean-Paul Sartre et Albert Camus, l'existentialiste, ça s'appelle al-wujudiyya en arabe. Mais معنى انا يمكن لي ان اوجد بنفسي. Tu واحد mais personne ne me force. Ah, ni la nature, il dit que non, c'est pas la nature qui a forcé. Je peux exister de par moi-même. C'est un fait historique. Aujourd'hui, il y a une évolution, il y a une ouverture d'esprit. On change l'histoire, ouhlas. Quand on change cet effet pour eux, un fait historique, ben on peut pour eux, donc ben, un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme, ben il n'y a pas de. Fahna, ka muslimin, bima'na ka nas ta'din, donc hna, en tant que religieux, la vision des religieux, musulmans, chrétiens, juifs, la vision est une vision naturelle. C'est-à-dire la prédisposition, al-fitra Allah subhanahu wa ta'ala, lati fatara an-nasa 'alayha, hadhihi al-fitra taj'al an ar-rajul yamilu ila al-mar'a wal mar'atu tamilu ila ar-rajul. Fitrat Allah bima'na طبيعي في الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها البشر في الطبيعة لكن هذه الطبيعة ليس مجبرا إنه با فورسي مش مجبر كأن مثلا الإنسان في الطبيعة تاعه الصلاة يصلي في الطبيعة تاعه ربي خلق البشر في الطبع يصلوا لكن واحد يختار الصلاة واحد يختار أن لا يصلي comme la prière par exemple qu'on fait la prière c'est dans les gènes de l'humain c'est comme par exemple se regrouper qui ne t'la pas se regrouper comme ça c'est naturel Allah a fait que faut qu'on vive regroupé c'est pour ça le confinement nous a fait mal on était mal pendant le confinement pourquoi parce que c'est contraire à la nature de le fitra c'est contraire Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqnach hatta wahed yaish wahdou ma khalaqnach hakada donc quand on est forcé c'est pour ça que par exemple les prisonniers quand on veut doubler la sentence on les met en isoloir khallo wahda déjà il est en prison qui nous zidou la ydirou wahdou
Parce que être seul, c'est contre la nature. C'est contre la nature. Donc on va le punir pour le mettre seul, parce que être seul, c'est contre la nature humaine. Donc, hadou, c'est des règles. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles. Mais est-ce que Allah, aujourd'hui, là, il nous a forcé d'être là présent? Non, nous on a choisi de venir à la mosquée, de rester. Donc, la mafhoum faut tabi'a allati khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala alayha khalaqna n'aish bil jama'at. N'aish jama'at, jama'at. Et c'est pour ça que j'ai dit que avec le confinement nous a fait trop mal. C'est vrai. Donc, le mariage également, c'est quelque chose de naturel. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana hakada. Le mariage ou la famille, c'est également la première cellule pour l'identité de la personne. L'insan, même quel insan, عنده الهوية تاعو l'identité de chacun. كل واحد فينا il a une identité. L'identité de la personne, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'identité de la personne? L'identité, c'est comme un millefeuille. Vous voyez le millefeuille? Hein? Il y a plusieurs feuilles. Plusieurs feuilles qui font le millefeuille, qui font la chose, une chose. La personne est composée de plusieurs feuilles. Un temps comme identité, comme personne. Toi, tu es fait de plusieurs couches. Plusieurs couches fait la personne. D'accord? Et parmi les couches, il y a par exemple la religion. Parmi les couches de l'identité, il y a la religion de la personne. Il y a l'origine de la personne. Il y a l'histoire de la personne. Hein, l'expérience de la personne. La langue de la personne. S'il parle 3-4 langues, tout ça, ça fait partie de son identité. D'accord? Insan, andou. Insan, il n'est pas pour nous, par exemple, on n'est pas que musulman, on n'est pas que ça. D'accord? On est aussi personne. On est aussi, il y a une couche, on est peut-être algérien, marocain, tunisien, sénégalais, on est à moitié français. Il y a aussi, on est français aussi, il y a une couche. Ben, pas blanc, bleu, rouge, mais qrib, cache rouge et blanc. Mais on est également, il y a la langue. Il y a les expériences, il y a tout ça, ça fait l'identité, ça fait la personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui en France, ils viennent nous classer comme des religieux, c'est tout. On n'est pas que religieux, on n'est pas que ça. Habbou le bled ta'na, habbou l'histoire ta'na, habbou la tour Eiffel, habbou des endroits extraordinaires. Habbou le qu'on a été en Espagne, en Turquie, tout ça fait la personne, fait toi. La première couche de cette identité, c'est la famille, c'est l'osra. L'osra, la petite famille, hein, c'est elle qui va définir la première et la couche la plus importante. La couche de cette identité de la personne, la couche la plus importante, elle est dans la famille. C'est pour ça que c'est dangereux de ne pas savoir comment éduquer les enfants. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux de ne pas le savoir. Et ne pas le savoir de façon naturelle, on peut le connaître de façon naturelle. Naturel, ربك على الإسلام, ربك على كذا. Mais c'est bien. Mais c'est très dangereux si on n'a ni le naturel, ni la science pour ça. Mouchkil kbir.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les tueurs en série, tu regardes sa famille, le père violent, le père alcoolique, les études aujourd'hui montrent que les tueurs en série, les pires personnes, ils ont mal grandi dans leur propre famille. Il y avait quelque chose de dangereux qui a fait que cette personne ait des fois des abus sexuels, des fois, et ça bouleverse la personne. Donc la couche la plus importante, la personne, donc on a dit, il a plusieurs couches, qui fait lui, fait la personne, huwa. Hein? En arabe, on parle al-huwiya. On parle al-huwiya. En arabe, la langue arabe, on parle al-huwiya. Men huwa. Men huwa. Shkoun hada. Men huwa. Al-huwiya. Idem, l'identité de la personne a des couches. La couche la plus importante, hein, c'est la famille. Parce que là, c'est dans cette petite cellule qui va grandir, qui va partager des expériences, qui va acquérir des expériences. Surtout si la famille est nombreuse, c'est extraordinaire quand la famille est nombreuse. Hein, il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs, c'est très bien. Et dans cette rencontre entre deux personnes, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, hinama khalaqa Adam, quand il a créé Adam, notre père, khalaqahu wa adkhalahu al-jannah, rentré au paradis. Même au paradis, on a besoin de l'autre moitié. C'est-à-dire, même si on rentre au paradis, nous les hommes sans les femmes, ce n'est pas vraiment un paradis. Et si les femmes rentrent au paradis sans les hommes, c'est pas vraiment, il manque quelque chose. Même au paradis, il manque quelque chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au paradis, il va créer Adam alayhi Hawa pour l'autre moitié. Donc, c'est-à-dire que la femme complète l'homme et l'homme complète la femme. Il n'y a pas, en islam, il n'y a pas il y a pas la concurrence de qui est important, qui est plus. Mais qu'est-ce que l'islam? L'héritage musulman, on n'a pas connu ça. Mais qu'est-ce que l'islam, le tarikh islamique, maintenant, le hukuk al-mar'a. Ou Kitab Khas, on n'a pas connu ça jusqu'au pratiquement 19e siècle. Hein, 19e siècle, il y a eu le premier livre qui parle des droits de la femme. C'est un Algérien qui a écrit Iktirat fi Hukuk al-Inat, awwal man kataba fi Hukuk qabla Ahmed Amin ou qabla Masr, awwal man kataba. جزائري حول حقوق المرأة وبعدين جاءت كتب أخرى وقبل هذا قبل هذا ما فيش في التراث dans l'héritage musulman l'héritage il y a pas un livre exclusivement qui parle sur le droit de la femme il y en a pas pourquoi parce que c'était il y avait pas une concurrence entre l'homme et la femme. Le masculin, féminin, il n'y avait pas de concurrence. C'était une complémentarité. L'homme complète la femme complète l'homme. Comme la nuit et le jour. Est-ce qu'on peut préférer la nuit du jour? Ou le jour c'est mieux que la nuit? On peut. C'est une complémentarité. S'il n'y a pas la nuit, c'est très difficile. Hein? S'il n'y a pas la journée, le jour, c'est très difficile hein, également. Donc, il n'y a pas de préférence. La nuit, mieux que le jour, ou le jour, mieux que la nuit. Non, c'est une complémentarité. Également, le couple. L'homme complète la femme. La femme complète l'homme également. C'est-à-dire
qu'il y a des particularités. On est peut-être un autre samedi, on parlera de particularités, hein, les études contemporaines aujourd'hui. Ben, il faut احيانا لابد نرجع الى العلوم الانسانيه. الناس اليوم الناس في امريكا في فرنسا في اوروبا اليوم الناس تقدمت في هذه العلوم تقدموا مليح في هذه العلوم فاحنا نحتاج احيانا ان نعود الى هذه الدراسات حول خصوصيه المراه وخصوصيه الرجل. Vous savez qu'il y a même le cerveau, il y a des cerveaux, on n'a pas le même cerveau. Donc ça c'est très bien de le dire, de dire que on n'est pas pareil. D'accord? Quand on dit on n'est pas pareil, il y a une complémentarité, c'est tout. Il n'y a pas une المرأة خير من الرجل ou الرجل خير من المرأة. إحنا ما عندناش في الإسلام, l'islam, on n'a pas de préférence. Une femme peut valoir 2000 hommes, par exemple. Aïcha, شحال تسوى من الرجل عائشة. نديرو l'égalité, نديرو un homme مع عائشة. حنا ما عندناش l'esprit de l'égalité comme esprit mathématique. Un homme égal, ما عندناش, on n'a pas ça. حنا عندنا خديجة رضي الله عنها. Elle est égale à un homme. جيب رجل وجيب شحال تسوى خديجة من عفيفي منا حنايا شحال تسوى. سوى آلاف ولا الحكام تاعنا كاع خديجة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عائشة ايتي جينيرال كانت جينيرال دو غير قادت حرب الجمل هي جينيرال كم تسوى إذن عائشة وطلحة والزبير تحتها جنود عندها إذن احنا on n'a pas l'esprit de mathématiques. Une femme, un homme. Non, une femme peut valoir des centaines d'hommes. Et un homme, il peut valoir des centaines de femmes également. Ça dépend de la production. Qu'est-ce qu'il produit? C'est quoi? Les qualités humaines, c'est quoi? Nous avons l'égalité. Non, je dis l'égalité. Parce que c'est une injustice également envers la femme. Qui dit mra. Il y a également des femmes européennes. Tu veux des femmes européennes. La mère Teresa a dit que elle soit marrage. T'as raison, j'espère. Teresa a dit que l'Afrique a gardé le jour. Et des fois, les sœurs, les bonnes sœurs chrétiennes, qui sont européennes, de la Suisse, de l'Angleterre, qui sont européennes. Et on les trouve dans les pays africains. Hein? 50 degrés, t'as soleil, les mouches, les moustiques. On peut faire ça, nous, pour l'islam? Nous, on peut faire ça, nous, pour l'islam? On ne peut pas faire ça, nous. Donc, on mesure les personnes par la qualité humaine. On ne mesure pas la personne par le sexe. Et la dame masculin est non. Quand il amra, khair min. Ou quand il rajoul, il soit alef rijel. Donc, ce couple, cette rencontre, est une rencontre de deux personnes qui ne se ressemblent pas. Mais tu bouges. Non. Le tibien, l'âne, le tib, yubarhino, ala anna, aql al-mar'a, laysa ka aql al-rajul. Vous savez qu'il y a des cerveaux, aujourd'hui, la science prouve qu'il y a des cerveaux, le cerveau masculin et le cerveau féminin. C'est pas pareil, kif. Pas pareil. Par exemple, le cerveau féminin, il fait beaucoup attention aux détails. Le cerveau masculin ne fait pas attention aux détails. Donc c'est bien, c'est très, très important de connaître. Wa fi anfusikum rabbi qulna. Fi anfusikum kayn wahed al-ayat
في انفسكم. تا دي فوا تكون في البيت و تو على لا ميزون تو باس tu ramasses pas le truc. Un papier ou le truc, tu le ramasses pas. Parce que toi, tu regardes pas, tu vois pas le détail. Ou le malade, tu te dis, pourquoi tu passes devant, tu ramasses pas? Et elle voit tout. Parce que c'est comme ça. Mais il y a un malade, tu te dis, parce que toi, tu es un homme, tu vois pas le détail. D'accord? Tu vois les généralités. L'homme, il est. Je parle en général, hein. Il peut y avoir des exceptions, mais quand on parle de science, on parle de général. Général. L'homme, en général, il observe les généralités. C'est pour ça que nous avons fait l'islam. On n'a pas des livres sur les fondements du droit musulman, au sol le fiqh, écrits par des femmes. Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir les femmes, mais mekanche. C'est un constat, c'est pas mekanche le koutoub fait le fiqh مثلا عطوني كتاب في الفقه كتبته امرأة قديما ولا كاش parce qu'elle peut pas voir ça, son cerveau il peut pas voir ça. Mais les femmes qu'avaient mémorisé les hadiths, les femmes, il y a un livre, les femmes professeurs de Bukhari. Nisa, Asatidat al-Bukhari, Shuyukh al-Bukhari, كانوا يقروا البخاري. Nisa, قراو l'Ibn Hazm al-Dahiri, presque un fondateur d'une école, il a été enseigné par les femmes. La poésie, hein, la langue arabe, le Coran, c'est les femmes qui arrivent à faire ça. C'est-à-dire, même aujourd'hui ici, hein, pour enseigner le Coran, c'est mieux que ça soit une femme. Parce qu'elle peut le faire mieux qu'un homme. C'est des cerveaux. Si on était pareil, si on était pareil, il n'y a pas une complémentarité. Il a qu'on a kif-kif. L'aql al-rajul ou l'aql al-mar'a. C'est pareil. L'homme, par exemple, il ne peut pas voir, il ne peut pas lire le visage. Le visage, on peut lire le visage. Tout là-dedans, il est triste, il est malheureux, il est heureux par rapport au visage. L'homme en général, l'homme, il n'arrive pas, il peut pas lire ça, l'homme. Parce que c'est des détails. Le détail, l'homme est créé comme ça. Hein. Il peut y avoir des exceptions, mais l'homme, il ne peut pas lire les détails sur le visage. La femme, elle peut le faire. Elle peut lire sur le visage. C'est vrai ou la rani rien ou la rani mitzouj ou là? Hein? C'est vrai? La femme peut lire ça. Pourquoi? Donc, si la femme peut lire sur le visage, qui est mieux placé pour élever un petit enfant qui ne parle pas? L'homme ou la femme? L'homme ne parle pas. L'enfant petit ne parle pas. Il parle par son visage, l'enfant. Quand il ne parle pas encore, c'est son visage. Qui peut lire le visage? Un terme ne parle pas. L'homme, le masculin, n'arrive pas à lire le visage. C'est la femme. Donc, si on a un enfant avec deux hommes, qui peut l'élever? Qui peut comprendre le langage? Donc c'est un danger un peu pour l'enfant. Parce que l'homme, il est hagdar. C'est la science qui est la science nous dit, c'est comme ça. L'homme ne peut pas lire sur le visage. C'est pour ça que la femme est prédisposée, hein, Qabili, hein,
prédisposée à élever un enfant, parce qu'elle arrive à le comprendre, elle arrive à lire le visage de l'enfant. Et l'enfant, il ne parle pas encore. الجمع هذا بين الرجل والمرأة, c'est complémentaire en islam. ولهذا نجد القرآن يأمر بالزواج الرجل مع المرأة. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بهذا, أن يتزوج الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. cette rencontre, donc, il y a deux cerveaux qui vont se rencontrer. Donc, il est important de connaître un peu l'autre cerveau pour pouvoir vivre avec lui. تفهم هذا العقل كيف صنع. Aujourd'hui, il y a un très beau livre d'un Américain traduit en français. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Comme si l'homme, le masculin, vient d'une planète ou la femme vient d'une autre planète. C'est-à-dire la femme a un langage différent que l'homme. Le langage, le code de la femme n'est pas le même que le code de l'homme. L'homme, par exemple, quand il est contrarié, quand il est dans une seconde nature, quand il a un découvert à la banque, il est fatigué. En général, les hommes, le masculin, ne veut pas parler. Mais il y a un homme qui est fatigué. En général, les hommes ne parlent pas. Lorsque le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ja'ahu al-wahy, كان في غار حراء وجاءه الوحي. هذا اللقاء هو لقاء بين رسول الله مع جبريل. رأى جبريل كيف كما صنعه الله سبحانه وتعالى, كما خلقه الله شاف جبريل. C'est la première fois où le prophète, donc il va voir Gabriel comme il a été créé par Allah. C'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'effrayant. C'est شوف جبريل هكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كم نو رابورت الحديث في البخاري, لو بروميي حديث بخاري, رسول الله دخل يغونت شي لوي يقول لخديجه رضي الله عنها دتروني دتروني كوفر موا كوفر موا. خديجه رضي الله عنها كوني لي زوم, تفهم الرجل, تفهم ان الرجل كونت إلي contrarié comme ça, l'homme ne parle pas. Mais il se calme. Il se calme, il se calme. Donc, Khadija va le couvrir. Il aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le hadith, après avoir repris ses esprits, le prophète, Khadija lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qalat ma bika. Hatta in dhahaba anhu ar-raw'u. قالت ما بك, ما قالتلوش ما بك في الدخله. Lui a pas posé la question quand il rentre effrayé. Il rentre parce qu'il a vu Gabriel, hein. Il rentre pas, elle lui dit pas d'un coup qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, couvre-moi. Elle le couvre. خلاص خليه. Après, il reprend ses esprits et elle lui dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. L'homme, donc la femme doit comprendre la réaction de l'homme, le masculin, comment il est. La rencontre entre l'homme et la femme, c'est aya min ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Aya, c'est un signe. Liman yatafakkar, celui qui réfléchit, c'est-à-dire ces ayat, ces versets, ces signes, réclame la réflexion. باش تعيش هاني مع مرتك والمرأة تعيش هانية مع الرجل, تفكر شوية, تفكر شوية. إذن بعد, il reprend le prophète ses esprits, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, l'homme, il rentre chez lui de fatigue, où il a des problèmes, hein, il a un découvert à la banque, il a quelque chose. En rentrant, pas tout de suite, si elle a des enfants, ils ont des enfants, ouais. Pas tout de suite, voilà, l'autre, il a frappé un tel. Il nous manque du sel, pas à l'entrée, parce qu'il peut réagir mal, l'homme, il peut réagir mal. Il peut réagir, dire, je suis fatigué, je viens de rentrer, et il peut le faire. Donc elle doit laisser un moment, que l'homme reprend ses esprits, et là, elle peut lui poser toutes sortes de questions. الرجل كذلك لابد أن يبذل مجهودا حتى يفهم المرأة. L'homme également, il doit faire un effort pour comprendre la femme qui, pour le livre, vient d'une autre planète. Il y a جاية من planète واحدة أخرى. وأنت جاي من planète واحدة أخرى. Comme si. كأن الرجل من المريخ وهي من زحل. المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن ماجه سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا الصحابة prophète a invité un jour les compagnons dans la pièce de Aïcha رضي الله عنها. Le prophète, hein, sourate الحجرات, c'est les appartements du prophète autour de la mosquée. Il y avait des appartements. Un appartement de Aïcha, Wahda Hafsa, ainsi de suite. Et là, c'était chez Aïcha, radiallahu anha. Les compagnons, ils étaient nombreux. C'est nombreux, Kanu Kotor. Une des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait aider Aïcha par un plat. Habit, tursila tabaqan. Ta'awun Aïcha, parce que Sahaba, Kanu bikathra. لما دخل الغلام l'enfant quand il arrive avec le plat, عائشة lui dit d'où vient ce plat, من أين هذا قال هو من فلانة. C'est un tel, la femme également du prophète qui a envoyé ce plat. عائشة se lève devant son mari le prophète, devant ses amis قدام صحابو, et elle frappe le plat, il tombe, il se casse. ضربت الطبق الطبق وقع انكسر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وفات السوري وقال غارت أمكم votre mère est jalouse. هذه لو كانت صرا عندنا شي صرا يعني هذا اني ماجينابل كاع يا شيخ راك كاع ما طوميو ما تصراش كاع سيدي. لكن وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الراجل هذا الراجل ها سو ماري الراجل قدام صحابه ضربت الطبق لاسيت لا كاسي devant son mari et devant ses amis. Le prophète a dit la mère des croyants est jalouse, c'est-à-dire la femme est beaucoup plus jalouse que l'homme. L'homme est jaloux et il doit être jaloux. Hein? La jalousie, c'est من الإسلام ليك تكون تغير. C'est pas un défaut. La jalousie, c'est elle est obligatoire. Mais la femme est beaucoup plus jalouse que l'homme. Donc le prophète sait, il sait très bien que la femme est jalouse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée ainsi. Donc il a supporté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. عندما ربي خلقها هكذا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطبع الإلهي. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة هكذا. إذن هذا on va peut-être plus tard également parler de quelques particularités, hein, de l'homme, comment l'homme est fait, كيفاش هو مصنوع, hein, sociologiquement aujourd'hui, physiquement on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, il n'y a pas d'égalité sur le physique, par exemple, sur les sentiments à l'intérieur, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Donc, là, c'est, aujourd'hui, c'est la science humaine, la science sociologique, ilm al-ijtima', ilm yubarhino, on n'est pas pareil. L'égalité, c'est pas, ça veut dire quoi l'égalité? L'égalité en islam, quand par exemple, quand Allah dit faites la prière, لَمَّا يُؤْمُرْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالصَّلَاةِ بِالْحَجِّ بِكَذَا هَذَا يَا لِيغَالِيتِي ici. Tout le monde est appelé à faire la prière, faire le ramadan, faire ceci, faire cela. Il va des fois y avoir des particularités. La femme en état de menstrue, la femme en état de lochi, la femme... Il y a des particularités. Rabbi يتكلم les particularités. Mais en général, يعني نفس الأوامر إذا جاءت من الله سبحانه وتعالى ورسول الله للمكلف المكلف يكون رجل يكون امرأة هنا التساوي ça c'est l'égalité après des fois il y a des exceptions il y a des exceptions c'est bientôt c'est fini donc inchallah on va reprendre le mois prochain le premier samedi du mois on va également parler sur la question de la famille, sur et on en parlera bien sûr sur le droit juridique, hein, islamique, qui fait zawaj fil islam, comment le droit, qui fait nzoujou, quelles sont les conditions du mariage, comment on accepte les conditions pour la femme, les conditions pour l'homme aujourd'hui. Et on essaye également de régler quelques problèmes communautaires chez la communauté musulmane et quelques sujets nouveaux. Kain nawazil jadida, kain ba'd al-masail jadida. Non, parce qu'on est en France, on est en Europe, il y a des questions, ce qu'on appelle des questions nouvelles. Par exemple, un couple non musulman. Non musulmans, ils sont mariés. La femme se convertit à l'islam plus tard. Elle dit c'est nouveau. C'est nouveau, elle dit. Est-ce qu'elle reste, elle reste pas? Elle dit c'est nouveau. Mettez-le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Elle dit c'est. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Un homme, garçon. Non musulman, qui se transforme en femme. Ouais, il n'est pas musulman, il fait ce qu'il veut, d'accord? Biddel ou l'amra. Après, il est femme maintenant. Il s'est converti à l'islam, par exemple. Est-ce qu'il se convertit comme étant homme ou femme? Hadassi nouveau. Mais déjà au bouge, hein? Moi, j'ai mis 5 ans pour répondre sur ça. هذا غير مسلم وبدل ولا امراه ها هو غير مكلف مازال ما راهش مكلف راه غير مسلم ولا امراه وبعدين اسلم ولا اسلمت ماناش اسلمت البنت ولات بنت هل تسلم رجل ولا تسلم امراه هل تاخذ نصف الميراث ولا الميراث كامل هذه نوازل جديده هذه موجوده في القران غير موجود في القران موجود في السنه غير موجود في السنه moi j'ai reçu ça j'ai reçu des ce genre de cas je l'ai reçu donc on en parlera inchallah prochainement, on continuera sur le sujet de la famille et les règles de la protection de la famille, les conditions qu'aujourd'hui qui ne sont pas islamiques et qui sont des fois exigées par les musulmans. بعض الشروط اللي هي غير إسلامية والمسلم أحيانا يفرضها. نشوفوا هل هذا يجوز ولا لا يجوز ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bien, بسم الله الرحمن الرحيم. Je ne sais pas si vous avez des questions. On essaie, inshallah, de répondre. Donc, peut-être que je répète qu'on a prévu le programme, inshallah. Chaque mois, le premier samedi du mois, inshallah, je serai là pour une assise. Pour l'instant, on va parler sur la famille. On aura fini, inshallah, la famille. On pourra traiter d'autres sujets, inshallah. Je vais mentionner un île pour être chargé d'adorer Allah Azza wa Jal qui avait certaines conditions. Un île, les shurut taklif. Un île, il y a des shurut, Cheikh Allah Azza wa Jal. Un île, كثير من الإخوة ومن الناس على كل حال لا يعرفون أن لكي الإنسان يصبح مكلفا لابد أن يتوفر له بعض الشروط. ما هذه الشروط؟ بارك الله فيك. هو الشروط المكلف هو المكلفة عنده شروط إنسان دي كونديسيون pour que la personne soit chargée. On traduit par المكلف, on traduit par chargé parce que voilà, on a que ça en français. Ça aussi c'est un sujet qu'on pourrait plus tard, inchallah. La traduction, c'est très important et c'est un souci également. On peut mal traduire le terme qui aboutira plus tard peut-être à une mauvaise fatwa. La fatwa, des fois, dépend à la bonne traduction. Hada mushkil parmi les mashakil. El mukallaf, la personne qui chargé de l'islam. C'est-à-dire, tout devient obligatoire pour lui. La prière obligatoire, le ramadan obligatoire, tout devient obligatoire. Premièrement, l'islam. Insan yakun muslim. Al-muslim, mukallaf. Muslim, mukallaf. Ghayr al-muslim, ghayr al-muslim, laysa mukallaf. Le non-musulman, il n'est pas chargé. S'il fait ramadan, s'il fait la prière, c'est pas comptabilisé pour lui. Mais des fois, ils font le ramadan avec nous. C'est bien, on ne peut pas le dire non. C'est bien, fais ramadan. Mais il n'est pas comptabilisé. Donc, des conditions. La première, l'islam, une personne musulmane. Deuxième, l'aql. Insan aql. La raison. Personne raisonnable. Quand il a la raison raisonnable, il est chargé. S'il n'a pas de raison, hein, si sa raison est paralysée, il n'est pas chargé. C'est-à-dire, il ne fait pas ramadan, il ne fait pas la prière. Et troisièmement, l'âge de la puberté. Il atteint un âge, il devient pubère. Il y a des signes, où c'est l'âge, où c'est des poils, par exemple, hein, ou c'est, voilà, c'est le sperme, il rouge le mani, قبل ما كاش خرج له بيض. يخطأ هذا مكلف خلاص. C'est-à-dire toutes les actions deviennent obligatoires, obligées. Moins de ça, l'âge, s'il est enfant, il n'est pas. Tout est recommandé. C'est bien. C'est bien qu'il fasse la prière. Il faut initier nos enfants, par exemple, à la prière, au ramadan. Mais ce n'est pas une action obligatoire. Mouchouajib ali. L'oujoub, ba'd al-boulour. Wal-aql, wal-islam. Ida, huwa muslim. Ou aqil. وبالغ هنا راه مكلف خلاص بمعنى انتقل من السنة إلى الوجوب أصبح الأمور عليه واجبة هذا المكلف
Mais, on dit, il faut initier nos enfants. Le ولد صغير تعلموا الصلاة تعلموا الصيام تعلموا كذا تعلموا on peut même les amener par exemple faire l'umra. L'umra, quand il fait l'umra à un enfant, c'est ses parents qui sont récompensés. C'est les parents. Naam. En fait, je voulais savoir comment dire la femme du livre de l'Américain que vous venez de citer, une femme, c'est quoi la description de cette femme qui est venue de Mars? Comment il a vécu dans le livre? Quelles sont ses particularités? Ça va venir petit à petit, Inch'Allah. C'est notre programme. C'est notre programme, Inch'Allah, qui va suivre. On va parler de quelques particularités de la femme, en s'appuyant sur la science aujourd'hui. On est musulmans, alhamdoulilah, khlas. C'est clair pour nous, la femme se marie avec un homme, khlas. Mais nos enfants, ils n'ont pas cet islam de fitra. Il faudrait que les musulmans sachent ça. Les ta'arfou had l'omor. Et ta'arf. Annak nta, j'ai aimé le blad, matalan. Nta, islam ta'ak fitri. Khlas. Andak j'mouchkil ta ma'al islam. Ouladna andou mouchkil ma'al islam. D'accord? Le discours qu'on doit avoir avec nos enfants, ce n'est pas le même discours. D'accord? Aujourd'hui, je travaille avec des universités, Sciences Po, Sorbonne. Il y a beaucoup de travaux sur le Coran, par exemple, sur le Coran. Là, les questions qu'on ne pose pas, non, on ne pose pas, par exemple, le Coran. Est-ce que le Coran, kalamullah, c'est vrai? Là, on pose la question, on pose. Ça, le dit, qu'est-ce qui prouve que le Coran, kalam ta'Allah? Ils se demandent, Comment on peut répondre? C'est-à-dire que des fois, si la science aujourd'hui peut nous aider, récemment, il y a eu un très beau livre là, récemment, sur l'épreuve de l'existence de Dieu, que Dieu existe, 600 pages. Madame Lih, les musulmans, c'est bien. Ce n'est pas des musulmans, c'est des physiciens. C'est un prix Nobel de la physique qui a fait l'introduction, pas écrit le livre, il a fait l'introduction. C'est bien pour nos enfants. Nous avons des catastrophes aujourd'hui chez les musulmans. On a peut-être parlé avec lui comme on parle avec les anciens. Il y a des questions à poser. Et des questions du pourquoi. Alors, nous avons dans l'islam, nous avons le maqasid, les finalités. Les finalités, ça rend le musulman intelligent. Il comprend le pourquoi des choses. Il fait les choses machinalement. Non, les finalités, ça rend la personne qui réfléchit le pourquoi, il peut savoir le pourquoi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il parle, quand on va au petit coin, aux toilettes, il dit, le prophète, il autorise, quand vous allez aux toilettes, il autorise le nord et le sud. Dirigez-vous plutôt vers le nord et le sud. Qu'est-ce qu'il interdit quand il autorise nord-sud? Qu'est-ce qu'il interdit? Ouest-est-ouest, il autorise est-ouest. Louharna yarfou, est-ouest. Sharriqou
Aughribou, dirigez-vous, dit le prophète, vers est et ouest. Qu'est-ce qu'il interdit quand il autorise est-ouest? Nord-sud, c'est ça? Il interdit nord-sud. D'accord. Mais il interdit nord-sud à Médine. Mais moi, je suis musulman en France. Je ne suis pas à Médine. Musulman en Australie. Est-ce qu'il va quand même se diriger vers est-ouest? Ou là, il pose la question, le pourquoi. Pourquoi est-ouest? Il pose la question, pourquoi le prophète a autorisé est-ouest? Parce que est-ouest à Médine, c'est n'est pas la direction de la Qibla. Donc, c'est pour ça qu'il interdit nord-sud. Si vous êtes en Australie ou là, au Canada musulman, ben, vous faites le contraire du hadith. Est-ouest autorisé, il serait interdit. Nord-sud interdit, il serait autorisé. Comme a dit Ibn Taymiyyah ou Shawkani. Ibn Qayyim dit, il y a deux personnes. Il y en a une qui pose la question, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit le texte? Mada qala an-nassu? Qu'est-ce qu'il a dit le texte? D'autres posent la question en disant, qu'est-ce qu'il voulait dire le texte? Donc vous, vous préférez quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ou là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est mada yuridu an yaqul an-nass? Mouch mada qala an-nassu? Qu'est-ce qu'il a dit le texte? Ben, il a dit est-ouest. Donc si tu appliques ça partout, tu es t'as faux. Mais si tu appliques qu'est-ce qu'il voulait dire le texte, tu as raison. Même en tu contredis le texte, mais tu atteins la finalité du texte. Les finalités rendent les personnes intelligentes. L'islam, c'est une religion d'intelligence. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.